C'est le camping du Gourpassou au bord du Vior dans l'Aveyron. Ah oui. Et bien celle-là mal coiffée, je gagne qui au bijou, le 10 mai 23 de mars et le 10 jours 24 de mars. Donc nous sommes la mal coiffée et on joue ce soir le 23 mars et demain soir le 24 mars. Au bijou. D'accord. Si j'étais un mois de l'année, je serais le mois de septembre parce que c'est le mois le plus tendre. Si j'étais un fromage, je serais une tome artisanale de la vallée d'Aspe de brebis. Si j'étais un bruit, je serais un ronronnement. Si j'étais un pays, je serais le Pakistan parce que je rêve de chanter comme Abida Parvin. Si j'étais un numéro de cirque, je serais un numéro de trapèze parce que c'est comme dans la vie, des fois il faut lâcher la barre et se jeter dans le vide. Si j'étais une destination de vacances, je serais le camping du Gourpassou au bord du Vior dans l'Aveyron. Ah oui. Si j'étais une salle de concert, je serais le Zinzin au bord de l'océan parce que quand on joue, on voit l'océan. Si j'étais un dessin animé, je serais Chihiro. Si j'étais un des cinq sens, je serais le toucher. Qui n'est pas un sens, mais le toucher, on peut toucher avec les yeux, toucher avec les oreilles, toucher avec la peau, toucher avec tout. Et j'ai envie de toucher à tout. Si j'étais une couleur, ben, je serions rouge. Question très difficile. Si j'étais un animal, alors je serais tous les animaux, mais du coup j'ai choisi l'ornithorynque. Si j'étais une citation, je dirais, on ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître. Et si on était le public du bijou, eh bien, Betty et moi, on irait voir Marion Cousineau, que je ne connais pas du tout, mais par curiosité, voir qu'est-ce que c'est ces chansons du Québec, ça m'intéresse. Ouais, moi j'irai voir Lorenzo Naccarato, parce qu'il a l'air de bien cuisiner et il fait du piano. Bon, je le connais pas, mais comme ça, au premier abord, ça fait envie. Moi j'irai voir le banquet invite Nicolas Jules.